Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom to Crown Northland. Je suis toujours avec Malice, salut. Salut. Et du coup, on se retrouve pour la suite de notre aventure. Alors, comme on l'avait dit, on a fait pas mal de choses en off. On est repassé sur la première île et on voit avec que... Avec vous, ça ils l'ont vu, ouais. Non mais oui, mais par contre, oui, ça oui. Par contre, vous avez pas vu, effectivement, mais ça y est, on a détruit le portail, il y a la petite croix avec la couronne, donc c'est fini. On a fait la même chose sur la deuxième île. Il nous manque un sur la deuxième île d'ailleurs. Oui, effectivement. On l'a récupéré, ouais. Y a un bonhomme qu'on n'a pas pu débloquer, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait on n'a pas assez de diamants, il faut aller les récupérer sur la dernière île. On a fait la troisième île, là on vient de faire la quatrième. On avait Et fait attends, sur la troisième île, tu as reperdu le chien. Oui, c'est vrai, j'ai reperdu le chien sur la troisième île. On l'a re-récupéré. Et on l'a re-récupéré dans la foulée. Et on a également fait la quatrième île aussi, qui est terminée, celle où on est. La cinquième, on l'avait fait ensemble, et on va donc sur la sixième et dernière île, qui est l'île bonus, parce que sur les autres biomes de Kingdom, il n'y a pas de sixième île, c'est Northland qui a rajouté une sixième île. Donc on est prêt, on a affronté l'hiver, on perd des pièces, on déborde. Oui, là on est au printemps, on a passé l'hiver sur cette île-là d'ailleurs, avant de repartir. Exactement. Et vous voyez, le chien est avec nous. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Ah bah, je vais peut-être le reperdre hein, sur la sixième île. C'est marrant parce qu'il reste à quai en plus. Hein. Ouais, mais il vient quand même. Ouais. Il se téléporte. Exact... Exactement. Du coup, on est parti pour débarquer sur la sixième et dernière île. Et on en est en total au jour 130, je crois, ou quelque chose comme ça, sur la totalité. Jour 128. Donc je vais à droite, hein, comme d'hab. Ouais, puis moi je vais à gauche. Je pense que tu as le camp de ton côté. Je confirme. Je vais aller voir ce qu'il y a de ce côté-là. Un portail. Je vais au moins aller jusqu'au mur et après, on n'est pas obligé en fait. Il y a un coffre de diamants là. Ok, nickel. Oh mais casse-toi. Donc j'ai le portail organique de mon côté. D'accord, ok. Et trois portails... Oublie pas que t'as tes fantômes, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, j'ai peur qu'ils attaquent le portail, et du coup... Oh, putain. Bah ouais, mais... Oups. Ils sont violents. Ouais, un peu. Ok, donc là, on a le loup. Ah ouais, le loup. Et la dernière monture débloquable. Bah tu veux que je prenne les diamants? Je vais pas aller plus loin là tout de suite. Bah c'est trop tard maintenant. Non laisse tomber. Retire à toi parce qu'ils sont trop nerveux. Mais regarde comment ils speed quoi. Effectivement. Ils sont tous l'extra sur cette île. Un peu ouais. Ils sont hargneux, c'est pas possible. Ah, c'est la dernière île, ils sont énervés. Je crois bien, ouais. Alors ça va pas faire long feu. Hein. Allez, c'est parti pour la première nuit. Ouais, mais j'ai plus de mur, moi.
Mais t'as des fantômes. Ça va aller, ils sont pas très nombreux. J'avoue, ils étaient plus nombreux quand je suis allée. Ouais, les chercher, ouais. Sûr. Donc si tu veux aller chercher les diamants de mon côté. Bah faudra voir ça, ouais, mais... Pour débloquer le loup, quoi, faire une petite démo. Je vais voir si je vais avoir le temps de faire ça, ouais. Moi, le campement, je vais pas pouvoir le laisser très longtemps. Il est vraiment tout au début. Il va vite me poser des problèmes. Ah. Pour avancer. Moi, c'est bon, je peux le garder. Il y a une clairière. Pardon. Pauvre gars. Bon, bah, je le fais sauter, moi, alors. Surtout si je veux faire une ferme. Bah oui, si je veux pouvoir faire une ferme et tout, j'ai pas le choix, hein. Eh oui, déjà. Bah après, on pourra faire une maison hein, en soi. C'est l'avantage. Ah oui, sinon je peux pas avancer. J'ai quasiment pas de plaine, donc pas d'animaux, pas de ferme. Non, ça va être compliqué. Hein. Malheureusement, faut que le camp dégage. Ça me fait pas plaisir, mais. Du coup, t'as fait tout ton côté, toi, pour montrer ce qu'il y a. Ah non, 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 je suis pas passé encore, non, non. Je vais avancer un petit peu et j'irai voir après. Ah non, sinon je vais trop en chier. On se laisse vite envoûter par les couleurs et la musique. Hein. Ouais. Je ne dis plus mot. En mode détente. Ça. On a même pas envie de parler pour gâcher le moment. Surtout ouais. Quand on n'a rien à dire. C'est vrai qu'encore on vous a pas montré, mais c'est vrai qu'en plein hiver, il y a des couleurs qui sont très belles. Il y a des aurores boréales dans le fond et tout. Franchement, ils ont fait ouais. Un travail de... sur le pixel qui est incroyable, franchement. Ouais, j'ai relancé le premier opus de la série Kingdom. Oui, eh oui. À côté, c'est brutasse. Hein. Ouais, c'est moins. C'est brutasse, comme tu dis. C'est plus saccadé, c'est plus. Par contre, qu'est-ce qu'il est dur. Oh la vache. Ouais, c'est vrai qu'à côté, Northland, on se balade, hein, mais le premier. Genre les constructeurs, tu leur fais construire un truc, mais pendant au moins 10 minutes, ils restent à souffler à côté parce qu'ils sont fatigués. Et même la nuit arrive, ils s'en foutent, quoi. C'est clair. Vas-y, vas-y. Du coup, ils sont là, ils se payent les rapaces alors qu'ils pourraient rentrer au camp, mais non, ils restent à côté de leur construction à souffler comme des bœufs. C'est ça, j'allais dire, je vous rappelle que... Pas en plus. Oui, oui, c'est vrai, que vous pouvez le tester, hein, le premier il est gratuit hein, sur Steam Kingdom Classic, avec un C, et maintenant gratuit hein, sur Steam, vous pouvez jouer,
pour voir si le concept vous plaît. Sachant qu'il faut bien vous dire que c'est le plus dur et que c'est le moins évolué. Donc de toute façon, si déjà vous aimez bien le concept et voilà, bah, en achetant éventuellement le Newlands que vous pouvez faire qui est déjà pas trop trop cher, puis le Two Crown, de toute façon, vous n'allez que vers de l'amélioration et du plaisir. Donc, ouais. N'hésitez pas à tester-le. Oui, le premier, je vois, enfin, je l'ai relancé pour voir vraiment les différences parce que je m'en rappelais plus. Et donc ouais, les bonhommes sont beaucoup plus buggés, ils vont pas courir s'il y a un rapace, enfin c'est, enfin ils ont deux de tension quoi. C'est vrai. Et aussi quand on détruit un portail, il y a tout de suite une vague qui sort du portail, mais sur l'armée en fait, donc ils sont dégommés en deux secondes, c'est super chaud. Ah c'est galère. Ah c'est chaud, il est chaud, franchement je reconnais qu'il est dur. Et il y a beaucoup plus de... Les vagues, elles sont beaucoup plus violentes. Enfin, plus t'avances, plus les vagues sont violentes, mais tellement que ça sature l'écran, enfin, c'est à l'écran. C'est compliqué. Il y a plus de défis, quoi. Mais bon, après, ça reste... Les musiques sont aussi, aussi très sympas, hein, du premier. Si vous êtes fan, vous pouvez les faire tous. Exactement. Il n'y a jamais de fin quand on aime. Non, c'est un peu addictif même. J'ai débloqué le... Parce que j'ai trouvé des diamants, j'ai pas pris le loup pour le moment, mais j'ai débloqué le nouveau... Ermite. On appelle ça une nouvelle ermite qu'on essaiera de vous montrer de toute façon, parce que celui-là est intéressant. En fait, il faut construire des tours. Alors, c'est vrai que des tours, on n'en a pas montré, mais encore une fois, le gameplay de Northland s'y prête pas trop. Par contre, là, il va devenir intéressant parce qu'en fait, cette personne-là vous permet, quand vous êtes arrivé au niveau maximum des tours, de l'améliorer d'un rang supplémentaire si vous l'avez sur votre cheval. Et en fait, il crée des tours de berserker, donc il permet d'améliorer les berserker, leur faire passer un niveau supplémentaire. Chose qu'on n'a jamais testée puisque ça a été introduit dans un patch après coup. Donc nous, on avait déjà fini le jeu à ce moment-là. Mais voilà, c'est une des nouveautés de Northland et qui est arrivée en fin novembre en patch. Du coup, bah, ce sera l'occasion pour nous de le découvrir et puis on va essayer de vous le montrer. Mais bon, faut que la partie soit un peu plus avancée parce que il faut déjà avoir des berserkers. Donc on essaiera, je pense, si on prend pas trop de temps, de vous proposer l'île dans son intégralité en vidéo, en plusieurs fois. Et puis on conclura après quand on aura réussi à terminer cette île. Ça me paraît honnête. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de mur moi, faut que je fasse gaffe. J'ai toujours pas amélioré mes murs pour le moment. Ouais, fais gaffe parce qu'il y a déjà un gros. Ah merde. Ouais. C'est la 6ème île, hein. Ils sont plus costauds quoi. Ouais, c'est vrai. Oh putain, ouais. Ok, j'ai pas pensé à ce détail, puis je me suis fait avoir avec mon cheval qui était fatigué, comme je discutais en même temps. Ouais, un gros de chaque côté, ça va commencer à être chaud. C'est chaud, ouais. Bon, ça va, tu l'as dégommé. Alors moi, j'ai que un seul chevalier en plus, donc... Ouais, c'est ça, va falloir recruter à mort. C'est pour ça que je pense que t'as détruit le camp un peu tôt. Bah, ouais, je vais refaire la maison, hein, du coup, hein, mais... On va faire une ferme pour avoir pas mal de sous. Ah mais faut que j'avance, je peux pas faire de ferme pour le moment et pour avancer faut que je pète le premier portail, c'est galère. Non mais moi je peux en faire une. Donc alors, on va déjà faire avec ma ferme. Te prive pas, allez va-t'en toi. Allez chercher là, il y a des arcs, voilà. Bon, j'ai pas le choix, hein. Je vais être obligé d'avancer un peu du coup, hein, parce que ça va être compliqué sinon. Allez, on va avancer. Des murs assez costauds. Ouais. C'est parti, j'ai pas le choix. Moi j'ai plus de sous, c'est la galère. Heureusement qu'on n'est pas arrivé l'hiver. Hein. Ah ouais, non, c'était hors de question. On a volontairement traîné, on avait plus rien à faire sur la 4ème île, mais on a dit on attend que l'hiver passe, parce que si on arrive avec l'hiver, c'est fini, on va pas y arriver quoi.
Bon, au moins il y a pas mal d'animaux donc ça va chasser à mort. De mon côté, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est pareil, faut que je refasse des boucliers parce que j'ai perdu des archers. Ils ne sont plus des archers rattachés au seul chevalier que j'ai, en plus j'en ai qu'un. J'aurais voulu consolider mon mur, mais j'ai pas assez de sous. Je sais pas si j'aurais dû faire une ferme là, je pense pas qu'elle puisse s'étendre plus à cause du pont. Ça dépend. Des fois ils font un peu sur le pont quand même, hein. Non? Ah, je sais pas, j'ai un doute. Je sais plus. On voit qu'il y a de la... Ouais, je sais pas. Tu vois, il y a de la terre derrière, on voit qu'il y a de, il y a de la terre derrière le pont. C'est pas toujours le cas. Des fois le pont, il y a rien derrière. Donc là, je... Ouais. J'ai un doute. Après, j'ai un doute. Hein. On verra bien. Mais non, j'ai pas de... Je me suis trompé. C'est toi. Dermite. Ouais. Ils sont pot de colle, hein. Oh oui. Voilà, ça va améliorer les murs. Début aussi, gratos. Non, laissez la pièce, laissez-moi la pièce, ma pièce. Saloperie. Ok, on va avoir un gros à chaque nuit maintenant, quoi. Ah, faut bien qu'il y ait un petit peu de défi sur la dernière île quand même. C'est sûr. Tant mieux si t'arrives à le garder ce camp là, franchement. Ok, donc là j'ai la fameuse statue qui permettra de débloquer la dernière arme, enfin le dernier objet plutôt. Un coffre de pièces, et ben on va prendre un coffre de diamants aussi, ok, parfait. Ça permet de débloquer le loup. Ça, je vous montrerai comment débloquer l'objet, mais plus tard, quand on aura un petit peu avancé. Ça chasse pas beaucoup par ici. Que j'avance. Ouais, je vais uniquement utiliser les diamants, comme ça ils seront faits. Pour réveiller le loup. Je le recruterai un petit peu plus tard aussi, quand les sous seront un peu plus abondants, on va dire. Il est classe le loup aussi. Pardon ? Je dis, il est classe le loup aussi. Ouais, très sympa.
En plus, non seulement le problème c'est que j'ai plus de place, donc je peux pas avancer, donc je peux même pas faire les boucliers parce que j'ai pas la place pour mettre le bâtiment. Ouais, moi non plus, j'ai pas encore. Donc mon seul moyen de faire ça, c'est de d'avancer, c'est d'attaquer en fait. Ah non, mais on peut pas attaquer maintenant. Bah ouais, mais faudra bien, on est bloqué là. Non, moi je peux avancer encore. Ah mais moi je peux plus. Oui, mais faut attendre un peu. Oui, je sais. Là, si t'attaques maintenant, on n'a pas assez d'armée. Je sais bien. Déjà que si on se paye une lune rouge, on est... Bon, il y a plein de péons qui attendent soit des arcs, soit des trucs. Mais attends, je galère désespérément à avoir des sous pour mon mur, en fait. Je sais, j'ai déjà recruté des... Ah, ça y est, les fermiers ont enfin donné. Tu veux que je fasse quoi? Des arcs? Bah ouais, tu peux faire des arcs, ouais. Merde. Toi aussi t'es en train de perdre tes archers petit à petit. Ouais, si. Pas de bouclier égale pas d'archer. En fait un archer sans bouclier ne peut pas rejoindre un chevalier. Du coup ça redevient des archers basiques. Ouais bon ils défendent quand même, ça va mais... Oui ils défendent quand même mais... Attendant, on va améliorer le mur au max, tant pis. Ouais, parce que s'il y a une lune rouge, il faut faire gaffe. Ouais, c'est exactement ça. T'as pas essayé d'en faire d'autres des fermiers du coup? Non, t'as arrêté à 3. J'en ai 4 je crois, non? On en voit 3 moi. Ah, peut-être que là ils vont me le mettre. Oui ça y est, ils me l'ont mis les bâtiments avec les boucliers, bah c'est pas de mal. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir plein d'archers parce que si je mets des boucliers à tout le monde, bah j'ai plus d'archers pour chasser. Donc n'en mets pas trop quand même. Ouais. Bah, je vais peut-être pas en mettre tout court pour le moment même. Trouver le bon équilibre. Hein. Ouais. Pour le moment, on déborde pas de pièces. Hein. Non, pas encore, surtout que je peux pas faire de ferme de mon côté donc. Attends, je vais refaire un fermier pour voir. Ah. Au moment où j'ai fait un arc, moi merde. Après, enfin, ils sont deux donc. Je vais le laisser prendre une faux. Ça, on va voir. Non, mais il a l'air d'y aller, hein. Ça va. Ouais. Bah on va refaire un de plus alors, hein. Ça va pas être en trop. Et l'autre il va aussi. En général, sinon, si on voit qu'ils y vont, c'est bon signe. Sinon, ils stagnent au même, c'est sur place. C'est le berserker en fait qu'il aurait fallu faire. Ouais, mais. On n'a pas le bâtiment encore. On n'a pas assez étendu, je pense. On n'a pas le bâtiment? Ah non. Faut avancer. Merde, pourtant j'ai avancé pas mal moi.
Allez, on paye le petit péage, les gars. Merci d'avance. Oh putain, ils sont déjà là. On fait peur. J'ai eu peur. C'est chaud. Bon, en vrai, avec le mur qui va bien. J'ai le portail juste à côté en fait. C'est pour ça qu'ils arrivent super vite. Ah non. Bah c'est pas possible, on vient d'avoir la vague. Non mais tu t'approches un poil trop près. Ah oui d'accord, parce que c'est le bruit des... Ouais bien d'accord. Ouais, va falloir toi comme moi qu'on... On pète un portail. Ah bah là oui, y a pas le choix. Hein. Faudrait faire plein d'archers quand même. Bah oui. Même s'ils n'ont pas de bouclier, tant pis, c'est toujours ça. Et je voulais... Oh là, j'y arrive pas. Dis-moi. T'as amélioré ton mur à fond, toi? Oui. Ah, pas moi. Ouais, c'est fait, moi. J'aurais bien aimé le faire avant d'attaquer. Oui, oui, il faut le faire. Hein. C'est pas aimé, il faut le faire. Je sens qu'on va se payer une lune rouge, je sais pas pourquoi. Porte-poisse, et toi donc. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, heureusement, elle viendra que d'un côté, hein, mais. Ouais, je suis allé recruter deux clampins de plus. Ouais, donc tu vois le pont, comme il y a de la terre en dessous, c'est bon, les mecs ils peuvent continuer tout le long. Ouais, c'est pas le grand pont où il y a rien là. Ouais, c'est ça. Faut pas... Enfin, c'est pas que la terre est en dessous en fait, il faut s'imaginer que l'un est devant l'autre en fait. Comme ça qu'il faut y penser. Le pont est au premier plan et la terre au second plan en fait. Ouais, il y a un petit chat. Je sais pas, je pense pas que j'ai le temps d'améliorer le mur là. C'est chaud, non? C'est chaud, après je peux venir t'aider hein, si tu veux hein. Mais bon. Non, je vais pas le faire au cas où. Je vais aller escorter le petit chat. Allez viens. Tiens, qu'est-ce que je disais? C'est une lune rouge, putain. Mais non. Mais si. Eh merde. Là, c'est la crise. Mais putain, il s'est pas arrêté à la ferme. Allez, viens, dépêche-toi. C'est moi, j'ai plus le chien. C'est alors. Ah non, mais moi, le chien, j'y arrive pas. Hein. Surtout, en fait, si, d'habitude, ça va. Mais là, comme je pars tout le temps à l'attaque, bah non, en fait, le chien. Fais gaffe au chien. Ah bah là, ça... il aurait aboyé. C'est dommage, on aurait pu faire la démo du chien pour la lune rouge, quoi. Bon, on l'a peut-être déjà fait hein, dans une des vidéos, je me souviens plus, mais... Je sais pas, on l'a pas eu longtemps le chien, donc... T'es sûr que c'est la lune rouge ou pas? C'est peut-être pas sûr, hein. Je sais pas, c'est à la couleur de la lune rouge pourtant. Ouais, mais... Ah. Si, et la musique. Ah, si, si. Ouais, la lune de sang. C'est mon côté, c'est mon côté, c'est mon ouais, côté. Ouais, j'ai vu. Ah, putain. Ah non, y'a des Bernard l'ermite. Ah, mon dieu. Il y a un Bernard, calme-toi. J'arrive. Super chaud. J'arrive. Oh oh. Ouais, t'es plus loin que pauvre fou. T'es plus loin que prévu, hein. Oh oh. Ah. Allez, c'est bon. Allez, viens toi. Mais toi, dépêche-toi.
Allez, mais casse-toi. Bon, ça va le faire, mais... Ça va le faire parce que t'es agressif, mais sinon, c'est chaud. Je crois que dans le stress, j'ai même pas fait mes fantômes. Oui, c'est un peu con. Ils auraient pu servir. Et moins un, moins deux. Hop, c'est bon. Bon, t'as des sous pour construire, je te laisse gérer. Ouais, c'est bon, je vais me remettre là. Donc là, faut qu'on attaque un des deux portails, un peu. Je vais attaquer. Je vais attaquer de mon côté, ouais. Parce que c'est, on va avoir une nuit de répit. Faut y aller, ouais. Attends que je reconstruise mon mur, quand même, s'il te plaît. Oui, bah attends, le temps que je lance l'assaut, le temps qu'ils y aillent, le temps que. Toi, tu peux plus du tout avancer. Ah non, non, je suis bloqué depuis un bon moment. Hein. Non, mais t'es collé au portail. Non, il est trop loin justement. Enfin, il y a tout ça là. Il y a le pont, j'avance encore. Faut... D'ailleurs, bah, je vais le faire de mon côté alors. Bah oui, mais moi je peux toujours pas avancer, c'est dommage. Non, mais moi mon portail il est là, hein. Donc je peux plus rien faire en fait. Je peux même pas chasser. Bah si, vas-y, fais-le si tu veux. Il est collé quoi, je veux dire. J'ai bien compris, mais. Pas grave. Quoi ? Non, non, rien. C'est fait, je vais les recruter, moi au moins. Enfin, attends, mais j'ai qu'un chevalier pour attaquer, moi, en fait. Moi, j'en ai deux. Non, bon, bah, vas-y, fais-le. Allez, go. Moi, j'ai pas assez de chevaliers, en fait, je suis en train de me dire. T'en fasses un autre. Ouais. Ce que je vais faire. Ah, mais je peux toujours pas faire de bouclier, tu peux, toi? Oui, ça... Oui, en construisant le dernier mur, ça me l'a débloqué. Ah, tu vois, que moi, je suis vraiment coincé. Bah peut-être en faisant le dernier mur, ça va te le. Il est là le bâtiment, tu l'as, ça y est. Regarde, il est caché derrière la ferme. Ah ouais, merde. Il s'est mis où il pouvait. J'avoue, au milieu de la ferme, quoi. Ah oui, par contre, j'ai un chevalier qui est pas amélioré. Et encore, même avec ça, attends, c'est pas dit que je puisse encore avancer hein, tout de suite, hein, parce que. Ah si, là, je vais pouvoir mettre un truc ici, ouais. Bon. Ils ont même pas fini le mur, c'est con. Ouais, mais il va le finir là. Pas dû l'envoyer lui finalement. C'est bon. Bah, reste à savoir si c'est chez toi ou chez moi quoi. C'est chez moi, putain. Ah merde. Ah, surtout le temps que j'arrive là. T'es fantôme. Mais j'ai déjà mis. Ah, bah il va pas tenir ton mur. Hein. Ah, mais il y a un sauteur en plus. Ah, et puis il y en a un autre protégé derrière. Oh là là, ouais, c'est chaud. Un petit défi cette île là. Fallait que tu viennes de mon côté. Fais gaffe. Mais je sais. On l'a pas expliqué ça encore, mais. Bah eux ils se jettent sur toi, ils te piquent la couronne hein, c'est... Ouais, ça, eux ils en ont rien à foutre des pièces, ils visent la couronne. Après on peut rester là avec eux hein.
Bon, l'autre il va être plus long lui parce qu'il faut lui faire péter toutes ses protections là. Ouais, ça va être. En plus, tant qu'il a ses protections, vous l'avez peut-être marqué, mais il nous pond des bonhommes avec des masques donc ils sont plus chiants à tuer. Et ça le rend plus costaud parce que du coup il se défend avec. Les autres dans le camp derrière là, les lomones ils doivent se dire au secours. Là tu les as sauvés. Ouais. Enfin, ce qui est rigolo c'est que tant qu'ils sont pauvres ils craignent rien quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, ça y est, ça commence à sauter, sa première protection. Maintenant, faut que ce soit celle de la tête. Un turban là. On dirait un turban. C'est vrai qu'on dirait un turban. Ouais. Combat épique. Ah oui. Je vais donner toutes mes pièces à tes chevaliers. Hein? Je vais récupérer ma pièce. Non, non, n'y va pas. Bon bah j'ai pas réussi à avoir ma pièce. Ouais, tu fais comment là? Merde. Je m'en vais. C'est bon, je m'en débarrasse. Mais si, mais si. T'inquiète. Mais il y a notre portail derrière, va pas trop loin. Non, non, c'est bon. Mais fous-moi la paix! Ah, prends des pièces parce que ça mène là. Mais viens. Ah bah, il me l'a pris ma couronne, il est parti avec. Sérieux? Ouais, ouais, bah on va la reforger, c'est pas grave. Ouais, ce sera bah, on galère en dessous, hein. C'est vrai. Mais ils sont coincés mes chats. Oh bordel. Non mais il est interminable celui-là. Interminable. Voilà. Elle est toute belle ma couronne. Eh ouais. Tu leur as quand même fait cadeau d'une couronne. Ah bah j'ai pas fait exprès. Oups. C'est bon il est mort. Quel enfer. Je sais pas. Non il est pas mort. Putain. Oh putain. Allez les gars, on tient bon. Putain. Les mandales qui se prennent. Ah, enfin. Bon bah je crois que t'as perdu tous tes chevaliers. Ouais, pas que. On a perdu une couronne, des chevaliers, un mur. Des pièces. Non, c'est clair. Bah voilà, bon. Un peu de défi quoi. C'est pas drôle sinon. C'est ça. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, non, de toute façon. Il reste 5 petites minutes, on peut faire, ouais. Je vais reprendre vite fait, aller faire un peu de recrutement. Moi, je dois avoir plein de sous de mon côté, normalement. Ouais, alors par plein de sous, je m'attendais à plus que ça, mais... Ah ouais, non mais moi non plus quoi, j'ai plus rien. Je peux même pas reconstruire le mur quoi. J'ai plus d'armée et t'es parti toi. Bah ouais, pour voir un peu ce qui se passe et récupérer des sous. Oui, moi j'ai plus d'armée de mon côté, hein, j'ai plus rien. Mais j'ai commencé à recruter, hein, j'ai redemandé des chevaliers de ton côté. Et j'ai un bug. Mon mec avance tout seul. Bah je crois que c'est bon, on va pouvoir arrêter là effectivement parce que regarde mon bonhomme qui avance tout seul, je peux plus le contrôler. Arrête de courir. Au secours. Ah. Je fais pause. Mais... je sais pas ce qui se passe. Je
comprends pas ce qui se passe. Mais bon, écoutez, c'est l'occasion d'arrêter sur ce magnifique fin d'épisode bizarre. On vous remercie, vous en faites pas, ça va aller, on va se reprendre tranquillement, nos stress, ça va le faire. Et puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode, à dimanche prochain. Merci Malice. Merci, salut. À plus. À plus.